16e journée à Blagnac. Une attaque neversoise sur l'aile droite se conclut sur un essai de Maya à la 21e minute de match. Puis c'est Lame qui vient marquer le deuxième essai. On a fait une première mi-temps, quoi. Surtout un début de match assez équilibré. On a essayé de produire pas mal, mais trop sur les largeurs. Blagnac était bien organisé en défense. Et nous, dans l'alternance, on n'a pas été assez performants. On a joué beaucoup sur du large-large, alors qu'il aurait fallu 2-3 fois repartir un peu plus dans l'axe et sur du jeu un peu plus auprès. La mêlée neversoise, dominatrice, permet à Manvi d'inscrire le troisième essai pour son premier match en tant que titulaire. Le bonus offensif est en poche, mais Blagnac ne rend pas les armes et marque à son tour, privant Nevers momentanément du bonus. Ouais, on n'a pas été très performant pendant tout le match. On a commis beaucoup de fautes et on les a laissé revenir à la fin. On a réussi à avoir ce bonus au départ sur 3 essais à 0, on le perd. Ce qui a souligné quand même, c'est l'investissement des mecs sur la fin du match, dans les arrêts de jeu, et marquer un essai de 100 mètres pour aller chercher ce bonus. Donc c'est vrai que mentalement, ça fait du bien. Après, je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus performant sur ce match pour justement se faciliter la tâche et obtenir ce bonus plus rapidement. Heureusement, on a un coup de génie sous la fin et on voit... que tout le monde a un état d'esprit très élevé. Et voilà, qu'on n'a pas craqué mentalement et on a joué les choses jusqu'à la fin. Pour vestir, c'est pas pareil qu'un match normal. Surtout qu'on avait besoin des 5 points pour continuer à garder notre place dans les 6 premiers nationaux. L'équipe a des ressources et sur le plan mental, ce match pourra servir de référence.